wheel crab your style, get your hassle-free online quote today. Go to the general and save some time. President John Pri-Pri, le grand succès du boulevard, à danse barrage. Soba! Il était arraché, il est en attaque, il est canon, hypocrite en toi, le goût à la belle, il a les beaux, il t'a oublié. Afriki, Tangato, il est en Lombali, Tata du boulot. Afriki, Tangato, il est en Lombali, tu t'a oublié. Afriki, Tangato, il est en Lombali. Quand ça change, c'est trop bien. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va parler un peu au grand frère Salfo, c'est important. Il faut qu'on lui parle un peu. On lui rappelait où il est quitté à Numambo là. Où il marchait, et en attendant, coupé là. On lui rappelait ça un peu. C'est important. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez, mettez le cœur. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va parler un peu au grand frère Salfo. Que Ricky Kwadjo soit salué. Merci beaucoup. Depuis Soubré, la Côte d'Ivoire profonde, Ricky Kwadjo, mes respects à toi. On est ensemble et c'est jusqu'à la gare. Merci beaucoup. Merci. J'espère que tu seras au stade Félix Houphouët-Boigny le 10 parce que là-bas c'est l'apothéose. Oui, c'est bien de venir nous suivre ici, mais il faut que vous vous rendez le 10 au stade Félix Houphouët-Boigny parce que c'est là-bas notre match. Le grand match va se jouer. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, invitez vos amis. Quand c'est chaud, si toi, un ami te tourne jamais à l'auto. Aujourd'hui, c'est chaud, si moi, tire toute ta veste. Monique, mère, complice là. À ce regard, sois salué. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Bipez-le, il n'a pas venu écouter. Nous, on n'est pas là vous habiller. Voilà. Bonsoir à vous tous, bonsoir. KGB le Kourou, Akom Gorebi, mon esclave, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, j'aimerais dire à tous les frères qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. Chez moi, ça va bien. Partagez, invitez vos amis. Je ne suis pas encore satisfait. Maintenant là, it's a game. Ok? Maintenant là, c'est un jeu. Quand on monte à 5h, il a commencé à parler parce que vous devez me respecter. Vous devez me respecter parce que je vous ai dit que je prends du temps. Ok? Je prends du temps pour venir faire des vidéos. C'est pas un débat. Mettez les cœurs, vous voyez, il y a les cybercriminels qui ont commencé à mettre la tête de mort. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Partagez la vidéo, invitez vos amis, c'est important. Le KGB est là. Le barème, c'est 500. Faites monter le mercure. Voilà, moi, je ne vous demande pas beaucoup. Je ne vous demande pas 10 000. Je vous demande 500. Allons-y à 500 et puis il a commencé à parler. Voilà. Allez, le message est important pour Salvo. Si vous ne le bipez pas, il ne pourra pas venir. Tout le monde, c'est pas tant bien.
Bipé à Salvo, Bipé, Yabongo, Bipé, comment ils appellent, tous les Sidonie, la Tigresse, Bipé là, tous nos gars venus, Ismaël Isaac, Bipé là. Moi, je vais écouter mon message, c'est important. Voilà. Bon, on peut vendre nos âmes, notre âme au diable. On ne peut pas vendre ça à n'importe quel diable aussi. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Il faut vendre ça au bon diable. Le bon diable, là, c'est Jesus. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je t'entends parler. Celui que tu vois là, il n'est pas digne de confiance. Il va te rouler dans la farine. Demain, tu vas te retrouver sur le terrain. Et puis moi, je t'invite à Yam Sokro. Il n'a même pas encore commencé, c'est toi qui crie sur le podium. C'est la casse. Ne te pas planter, ne te pas planter, partagez avec vos amis. Faites monter le mercure. Ne te pas planter. Chez nous, ça va bien. On est entraîneur, on se repose. On ne commande pas une équipe, on se repose. J'ai un petit capitaine, c'est lui qui va diriger l'équipe là. C'est la casse. Ne change pas de couleur. Dis-moi ce qui n'est pas par là. Il est pas habillé. Il a pistolé 600. Gaz, moi, gaz. Il n'est pas payé pendant 6 mois. C'est pour ça qu'il faut sortir le 10 là. C'est pour ça qu'il faut sortir le 10. Parce que si vous restez à la maison, les blancs vont comprendre que Ouattara ne dirige pas la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Et donc, ils sont en train d'activer tous leurs réseaux. Et ils utilisent, ok, un frère comme Asalfo pour pouvoir nous déstabiliser. Ils pouvoir déstabiliser aussi ses frères, ses collègues Zouglou. Non, c'est pas bon. On ne peut pas utiliser les gens pour déstabiliser les autres. Il faut arrêter ça. Voilà. C'est ça que la vérité. Parce que si Asalfo s'amuse, on va lancer la patois contre lui. Dites-lui ça. Voilà. On va lancer la fatwa contre lui et puis il va apprécier. Ça sera dans tout le monde entier. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Hein. Allez-y, dis ça à Salfo. Que s'il s'amuse, on va lancer la fatwa contre lui. Et puis, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Moi, je vous le dis là. Je vous dis la vérité. Moi, il n'y a pas. Écoutez, je n'ai pas marché mes mots pour parler à Salfo. Oui, moi, je ne mets pas chez lui. Ce n'est pas lui qui paie mon carburant. Ce n'est pas lui qui paie ma maison. Moi, je m'en fous. C'est ça qui est la vérité. Ok? Je ne suis pas payé par moi, par Salfo. Je suis désolé. On a tous, il dit qu'il est ivoirien, non? Donc quand tu dis que tu es ivoirien, il faut te comporter comme un ivoirien. C'est tout. Il y a des missions quand tu envoies, il faut dire non, monsieur, il ne va pas là-bas parce que la mission là, c'est trop dangereuse. Parce que faut qu'on dise à Asalfo qu'il a plus l'argent que Ouattara même. Voilà. Et puis il est en paix avec sa conscience lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Il est en paix avec sa conscience parce qu'il n'a pas fait de guerre pour venir à Ouattara pour avoir des positions. Asalfo, Ouattara, il a fait une guerre pour venir où il est. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut parler à Salfo. Oui, il faut qu'on lui parle. Dans le match, il veut rentrer là. Il s'amuse là. Nous, on va lancer la fatwa contre lui. Et puis ça, là, c'est pas un débat. Allez, dis ça à Salfo. Mon vieux père, dans le match que tu es là, si tu ne quittes pas vite là, on va lancer la fatwa contre toi. Tout est cédé, on va casser ça. Et puis on fait vidéo. C'est pas un débat. Hein? Tu penses que c'est du jeu? On va te déstabiliser même à l'international. Tu es un frère, hein? Mais on te parle, il faut écouter. C'est français. Où on est arrivé là? Ok? Le virage est trop rouge. Faut pas t'amuser, mon vieux père. Le scénario dans lequel Hassan Dahmé Ouattara va te mettre là. Nous, on t'en avait les dents vite. C'est pas un débat. Même à Paris, ils vont te refuser. Dans ce que tu as commencé là, faut pas t'amuser à ça, mon vieux. Tu es international, hein. Faut doser. Faut descendre. Oui, faut descendre. Faut redescendre très vite. Ok? Faut redescendre très vite. C'est important. Faut redescendre. Parce que où tu es en train de partir là, c'est pas bon. Ok? Où tu es en train de partir là, mon vieux père? Amen. Où tu es en train de partir là? Faut doser, mon vieux père. C'est pas un débat. Et puis les artistes qui veulent aller même là, Yam Sokro là. Vous aussi là, on va lancer la fatwa contre vous. Donc préparez-vous. La Côte d'Ivoire est en danger.
Vous n'allez pas vous associer avec le diable pour nous combattre. C'est pas possible, les gars. C'est impossible. Donc réveillez-vous de vos cauchemars. Vous n'allez pas vous associer au diable pour combattre les Ivoiriens. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Ok? Hier là, vous n'avez pas. Vous, et puis ce qui m'énerve même, c'est la majorité de ces artistes là. Hier là, eux là, ils étaient en train de critiquer Alassane Dramo Ouattara. Eux critiquaient Alassane Dramo Ouattara. Mais aujourd'hui, soudain, brusquement, ils sont devenus les meilleurs amis d'Alassane Dramo Ouattara à cause de l'argent. Ah bon, hein? Ah bon? Vous êtes devenus ses amis à cause de l'argent? Ah bon, hein? On est trop serré. Moi, viens pas, ami tout en haut, faut dormir tranquille. Le 10, on serait en tas là-bas. On serait en tas. C'est pas un débat. On serait en tas là-bas. Et puis, on finit, on sort chez nous à la maison. Et puis, il n'y a rien, ça ne chauffe pas. Ok? Ça ne chauffe pas. On finit, et puis, on rentre chez nous, et puis, ça ne chauffe pas. Voilà. Maintenant, celui qui est venu se frotter là, à chacun son lequin, c'est tout. À chacun son lequin. À chacun son lequin, les gars. Allez-y, dis à la salle faux. Que son concert du disque qu'il veut faire à Yam Soko là, c'est de mauvaise augure. Ça sent mauvais, ça sent à Jovan. Mon vieux père, ça sent à Jovan. Donc faut quitter dans ça. Quitte dans ça vite. Sinon c'est pas bon pour toi, faut quitter dedans. À moi, je te dis la vérité, faut quitter dans ça. La Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire, elle est en danger. Vous ne pouvez pas vendre la Côte d'Ivoire au diable. Je suis désolé, hein, et je le dis en vérité. J'ai dit tous ceux qui reçoivent l'argent de la main de Alassane Dramo Ouattara. Ok? En ce moment-là, c'est l'argent du contribuable que Alassane Dramo Ouattara refuse, ok, à vos propres frères de pouvoir avoir, de pouvoir bénéficier de ça, pour pouvoir avoir un boulot, pour pouvoir se faire, pour se construire une vie. Alassane Ouattara refuse, mais il préfère donner l'argent aux gens qui sont déjà arrivés, qui ont déjà des positions, parce qu'il veut les mettre dans son groupe. C'est la méchanceté, c'est la mauvaise foi. C'est ça qui est la vérité. Ça, c'est la mauvaise foi. C'est la méchanceté, c'est la mauvaise foi. Il faut qu'on dise ça à Alassane Dramo Ouattara. Donc, vous qui êtes en train de suivre Alassane Dramo Ouattara dans sa bêtise-là, amusez-vous. On va lancer la fatwa contre vous. Et ça sera les. Bon, tiens, mon vieux père, à ça le faut. C'est pas un débat. Moi, c'est quand je veux le coup. Voilà. Moi, je t'aime bien. Moi, je te dis la vérité. Je n'ai pas de problème avec toi. J'aime même danser. Il y a une tension là même que moi, j'ai tout aimé même. On va bouger, j'aime trop le son là, moi je te dis. Le matin qu'il me levait là, c'est le son là, je mettais. Faut pas venir te frotter à ça. C'est pas bon pour toi. Voilà, c'est pas bon. Faut doser, mon vieux. Même quand tu t'envoies, faut savoir t'envoyer. Ton image est en danger en ce moment là. Moi je te dis la vérité. Hein. Ton image, ok? Ton image, toi, Salfo, est une image qui est en danger en ce moment. Si tu veux jouer à ce jeu-là, bon courage. Si tu veux jouer à ce jeu-là, mon vieux père, bon courage à toi. Mais tu vas aussi, il faut t'apprêter aussi aux représailles. Oui, apprête-toi aux représailles aussi. C'est tout ce que nous on te dit. Ayam Soko, là. Moi, je vous dis, hein, vous là-bas, là, ne partez même pas ce conseil-là, c'est la merde. Ne partez pas là-bas. Concentrons-nous sur Abidjan. Vous avez vu, j'ai vu même qu'on dit que non, que. Le collectif qui est venu en Côte d'Ivoire, la CDAO, moi vous a dit que la CDAO est corrompue. Moi je ne vous comprends pas. La CDAO est corrompue, vous espérez quel bilan qu'ils vont vous donner. C'est quel bilan la CDAO peut vous donner? C'est quel bilan la CDAO va vous donner? C'est quel bilan? Dites-moi, le bilan, c'est quoi? C'est quoi? Le bilan de la CDAO, là, c'est quoi? Diom Soro vous a dit ici que la CDAO est corrompue. Donc quand on va venir mission de CDAO, là, ça vous fait quoi? Le groupe d'amis, le compuscule de personnes, les amis, ils se partagent des biens des banques en eux. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas faire confiance à la CDAO aussi, désolé. Parce que le pays, même les Noriens, il n'y a pas de l'an là-bas. Donc quand ils voient l'an que Alassane Dramo Ouattara donne là, ils veulent devenir fous. C'est ça le vrai point, les gars. Réveillons-nous. Voilà pourquoi on vous demande de sortir le 10. Parce que ça, c'est notre démonstration de force. Le 10, là, le 10 octobre, là, à Abidjan, là, le stade Félix Houphouët-Boigny, là, on doit sentir la chaleur, oui. C'est-à-dire que quand même, jusqu'à la présidence, on doit sentir la chaleur, là. C'est pas un débat. Jusqu'à la présidence, Ouattara même doit dire, oui, là, il y a chaud. C'est moi qui vous dis. Parce que c'est là, là, on va faire reculer Alassane Dramo Ouattara. C'est là, on va faire reculer Alassane Dramo Ouattara. C'est là-bas que ça se passe. Le match, là, c'est là-bas. Ok? Le match c'est là-bas. Donc quand Alassane Dramo Ouattara, toi, Alassane Fauvet, toi, t'utiliser pour faire un concert
ok, pour faire un concert au comment dire, à Yamsoko, pour casser, ok, un, nous notre marche, et le deux, qu'on casse encore le concert de Yodé Sio, moi je trouve que c'est malhonnête de ta part. Tu es malhonnête, c'est ça que la vérité. Mais tu vas apprécier, mon vieux, faut regarder le match seulement. Voilà le président de vous dire, jouez votre va-tout. Alors là, jouez votre va-tout. Jouez tout. Toutes vos cartes là, jouez-les. Parce que quand le 6 va devenir 9 là, ça ne sera pas bon. Hein? Ça ne sera pas bon pour vous. Moi, je vous le dis en vérité. Quand le 6 va devenir 9 là, ça ne sera pas bon pour vous, les gars. Préparez-vous. Ce n'est pas un débat. Parce que le 6, ça sera devenir 9 bientôt. Donc, sachez vous mettre dans le bon côté pour vivre. Sachez vous mettre dans le bon côté pour être à l'aise. Voilà. Sachez vous mettre dans le bon côté pour qu'on puisse vous donner ce respect-là aussi. Parce qu'on ne va plus vous respecter en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Non? Je suis désolé. Hassan Damon Ouattara est en train de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et c'est avec votre complicité. Il ne peut pas déstabiliser la Côte d'Ivoire avec votre complicité, les gars. Hassan Damon Ouattara ne peut pas déstabiliser notre pays, la Côte d'Ivoire, dans laquelle nous nous reconnaissons. Et venir vous utiliser, vous des artistes de renommée, ok, pour venir déstabiliser notre mobilisation et le conseil de nos frères Yodé Sio. Je suis désolé, hein, les gars. Hassan Fo, tu as zaé là. Moi, je te dis la vérité, tu as zaé. Mon vieux, tu as zaé. Ce n'est pas un débat. Ceux qui souhaitent te soutenir, ils ne connaissent rien. Ceux qui souhaitent te soutenir, ils ne connaissent rien. Tu as zaé même. Oui. Tu as zaé. Dans le 10, restez debout. Oui. Restez debout, on se croise au stade Félix Fobani. Le KGB, le gourou sera là-bas. Vous voulez me voir, non? Je serai là-bas. Ce n'est pas un débat. Je serai là-bas au stade Félix Fobani le 10. Il a coupé mon billet d'avion ce soir. Le 10, on est à Abidjan ensemble. N'ayez pas peur à rien. N'ayez même pas peur pour ma sécurité. Je suis trop serré et puis ça ne chauffe pas. Je suis assis sur mon tabouret et puis ça ne chauffe pas, les gars. Le 10, on sera là-bas. Le 10, là, le KGB va rentrer à Abidjan. Je vais rentrer à Abidjan devant vous. Voilà. Je vais rentrer à Abidjan. Ce n'est même pas un débat. Même les petits blancs qui viennent parler ici. Là. Les gars, je serai à Abidjan le 10. Vous voulez me voir, non? On se trouve au stade là-bas. C'est tout. Vous voulez voir KGB, non? On se trouve au stade le 10. Voilà, le 10 là. C'est la deadline, comme le disent les Américains. C'est le last day. OK? Le dernier jour. On va se trouver là-bas. Bulldozer, moi je n'ai pas promis l'enfer à quelqu'un. J'ai dit le 10 là, on se croise nous chez nous là-bas. Vous ne pouvez pas concevoir que Hassan Fo puisse être utilisé par Hassan Damon Ouattara pour déstabiliser l'opposition en Côte d'Ivoire, pour déstabiliser le combat national que nous sommes en train de mener. Donc ça veut dire que vous concevez qu'un monsieur à 78, un vieux comme Hassan Damon Ouattara, est capable de venir voler, briguer encore un troisième mandat inutile en Côte d'Ivoire, alors que la condition, la 183 est claire. Que Hassan Damon Ouattara ne peut pas se présenter. Donc vous acceptez ça? Vous acceptez ça? Non, on va pas accepter ça. Comme vous êtes vendus, vous êtes nos âmes au diable. Nous, on n'a pas vendu nos âmes au diable. On n'a pas vendu nos âmes au diable. Ouattara est parti vous dire que non, Bézi va se présenter. Donc voilà, c'est en conséquence, lui, il se positionne. C'est ce qu'ils ont envoyé les émissaires pour aller dans tout le nord là-bas, non? Mais au final, Bézi ne s'est pas présenté. Bézi s'est retiré maintenant. Donc c'est comme le vieux de 78 ans. Tu vas où? Le vieux de 78 ans, là, il est parti où? Elle vient nous expliquer ça. Hassan Damon Ouattara va où maintenant? Qui vient nous expliquer? Nous, on veut comprendre. Voilà. Hassan Damon Ouattara, là, il est parti où? Il n'a qu'à venir nous expliquer. Nous, on veut savoir. Mon vieux, Damon, tu vas où? Il faut venir nous expliquer. Nous, on va comprendre. Il faut venir nous expliquer. Nous, on va comprendre. OK? Nous, on veut comprendre. Il n'a qu'à venir expliquer qu'est-ce qu'il va chercher aux élections. Parce que Bédier maintenant ne va plus aux élections. C'est ce que dit votre argument. C'est ce que les gens disent. Oh non, comme Bédier s'en va. Oh non, non, non. Bédier ne va plus maintenant. Bédier dit ne va plus. Il est là. Donc c'est comment? Toi, tu fais quoi là-bas maintenant? À 78 ans, toi, tu fais quoi là-bas, le vieux? À 78 ans, toi, tu veux aller faire quoi des élections des jeunes? Mon vieux, à Sandamon Ouattara, tu fais quoi là-bas? Vous avez dit aux gens que non, Bédier a 90, combien là même là? 92 ans, je ne sais pas quel âge là. Non, il ne peut pas se présenter. Toi,
Tu as 28 ans, tu veux, tu cherches, tu t'as cherché quoi maintenant? Bédé dit, il ne va plus maintenant aux élections. Toi, à la salle, tu t'es fait quoi là-bas? Donc, dit à la salle, dans mon Ouattara, il n'a qu'à se retourner. C'est tout. Il n'a qu'à se retourner. Donc, mon vieux, pas à Salfo, c'est ton message. Hein. C'est un message qui est simple, clair et précis. Comme tu veux pactiser avec le diable qui est à la salle, dans mon Ouattara aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut te préparer aux représailles. Parce que bientôt, nous, on te regarde aussi. Voilà. Tous les artistes qui ont parti là-bas, nous, on les regarde. Par exemple, vous voulez vous associer au diable pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous êtes venu parler de conseil de paix. Ah bon? Vous étiez où? Vous, en ce moment-là, vous étiez dans quel club? Depuis, nous, on est en train de vous dire qu'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Vous étiez où? Depuis, on est en train de dire à Saint Normand Ouattara de faire rentrer tous les frères qui sont en prison et de faire sortir tous les prisonniers politiques. Vous étiez où? Venez nous expliquer ça. Vous étiez dans quel game? Vous étiez dans quoi? C'est aujourd'hui que vous venez nous parler de conseil de paix. Vous foutez de nous? Vous foutez de nous? Non, nous, on ne va pas accepter ça. Jusqu'à la preuve du contraire, on a demandé à l'ensemble d'Amon Ouattara de faire la paix en Côte d'Ivoire. Il refuse. Ça fait 10 ans de pouvoir et le pouvoir. Il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Il s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Il s'en fout. Et vous voulez être ses complices. Vous voulez être ses complices? Nous, on ne va pas accepter ça. Ok? Nous, on ne va pas accepter ça. Donc, allez-y, dis à Salfo, qui n'a qu'à aller bien dormir, il va se réveiller. Voilà. Mon vieux, va bien dormir, tu vas te réveiller. Faut aller bien dormir, tu vas te réveiller. Parce que dans le match, tu es rentré là. Quand on va décoller, toi, c'est pas bon. Hein. Tu connais affaire là. Tu connais affaire là, mon vieux, parce que c'est pas un débat. Hein. Tu connais. Nous, on est trop serré. Trop serré. Quand on décolle, toi, là, c'est fini. Quand on décolle, toi, là. À Salfo, quand on va décoller, toi, là, c'est mort. C'est un débat, c'est pas un débat. Tout le monde nous connaît ici. Nous, on est tous sérieux. On dit que ça, c'est les réseaux n'ont pas bouche. Mais face à face, là, même, vous-même, vous allez guetter. C'est pas un débat, vous allez guetter. Face à face, là, vous allez guetter. Ok? Vous allez guetter. Vous êtes une bande de plaisanteurs. Vous qui êtes en train de m'insulter ici, là, je vous comprends. Hein? Je vous comprends. Réveillez-vous de vos cauchemars. Et je vois la majorité d'entre eux, leurs noms sont nordistes. 10 ans de pouvoir d'Amon n'a rien fait pour les nordistes. 10 ans de pouvoir d'Amon vous a passé son temps à vous blaguer. Il est parti même au nord là-bas, il a porté quoi encore? Rien. Je vous dis, même hôpital d'Amon n'a pas construit. Même hôpital, il n'a pas construit au nord encore. Montrez-moi quel est le lycée qui a assez d'Amon Ouattara construit au nord. Montrez-moi le lycée. Oufoué là, il a construit le lycée Oufoué Boigny de Korogo. Assez, il a construit quel lycée? Venez me dire le nom. Venez me donner l'usine qu'a Hassan Damon Ouattara construit au nord là-bas. Chez vous, au nord là. Vous parlez beaucoup là. Au nord, il a construit quoi là-bas? Rien. Vous avez sorti zéro de 10 ans de pouvoir, zéro. Vous, on vous prend, ok? Pour aller, pour 10 000, allez-y, le président s'en va de tel coin. Il faut que vous allez remplir le coin là-bas. Oui, c'est le président de la République, c'est pour nous. C'est ça, c'est juste ça. Non. Honte à vous. 10 ans de pouvoir, vous êtes sorti zéro. Zéro. Et vous continuez de suivre un monsieur comme ça, un maramailleur, un vrai menteur. Moi, je suis désolé, je ne peux pas suivre un menteur. Voilà, je n'aime pas les menteurs. Moi, je ne suis pas dedans. Hassan Damon Ouattara, c'est un menteur. Il a pas eu le temps de nous mentir. Tout ce que Kékéné nous a menti ici. Donc, c'est ce que vous voulez suivre. Bon courage à vous. Bon courage. Bon courage à vous. Oui, nous tous, on est Sénoufois. Hein? On est Marocains, on est Koyaka. Mais comment ça s'appelle Amiral. Amiral est Koyaka. Ok? Amen le Koyaka. Moi, c'est nouveau. Mais ça, Damon Ouattara n'a rien fait pour nous. On a qu'à se dire la vérité. Arrêtons de se mentir, les gars. Et puis, quand j'entends que Hassan Ouattara vient vous dire même que lui, il est le protecteur des nordistes, c'est faux. On a vécu en Côte d'Ivoire ici sans Hassan Damon Ouattara. On était bien. Est-ce qu'on avait parlé avec quelqu'un? C'est pas même à Tchèque ou même Gaba, même du riz, on partait s'asseoir pour manger ensemble. C'est pas même bien, on partait s'asseoir pour manger ensemble. Hassan Damon Ouattara, c'est un marmailleur. C'est un menteur. C'est ça le vrai problème, c'est un vrai menteur. Vous avez vu qui prend machette ici pour m'acheter dans le pays? Personne. 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 Tony Boabré, champion ici à mon poste, il n'y a rien. Le jour tu me crois à Abidjan, là, vous faites ce que tu veux. Moi, je t'attends aussi. Je suis trop près, petit. Tu ne connais pas à faire là. Je suis trop serein. Ceux qui sont sur mon direct et puis me connaissent, ils ne peuvent pas te dire ce que tu as dit là. Ok?
Faut qu'ils ouvrent Adam Hassan Namo Ouattara n'a rien fait. Dieu me donne, faut me donner. J'ai demandé à un gars, il y a un gars qui a été dans mon inbox. Donc vous allez regretter. Hassan Namo Ouattara, il a fait comme s'il avait. J'ai dit, faut me dresser le bilan d'Hassan Namo Ouattara au sein, dans le simple nord. Le nord, là, dresse-moi le bilan d'Hassan Namo Ouattara. Il y a rien. Il y a rien, les gars. Même hôpital, mais enfin, il n'a même pas conçu au nord. Simple nord, là. Donc il va là-bas, il sait faire quoi là-bas. Vous n'avez même pas honte. Asseyez-vous et puis réfléchissez un peu. Les jeunes nordistes, là, ils ont du travail aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire. Rien. Zéro. On a sorti zéro. 10 ans de pouvoir dans le mensonge. 10 ans de pouvoir détruire la famille des gens. 10 ans de pouvoir, à son moment, à tuer les enfants des gens en Côte d'Ivoire. Tuer les nordistes pour que lui soit au pouvoir. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. 10 ans de pouvoir pour rien. Tout ça pour ça. Même après 10 ans de pouvoir, il n'est même pas capable de nous offrir une carte nationale d'identité. C'est un monsieur comme ça, vous voulez que nous on suive? C'est un monsieur comme Hassan Namo Ouattara, vous voulez que nous on suive? Pourquoi? Au nom de quoi? On peut pas le suivre, je suis désolé les gars. Mais ça, mon dernier message à Salfo, mon vieux père. Faut écouter, faut prendre la vidéo, tu as bien écouté. Ok? Au fait que tu aies joué là, on jouait, on dansait toi aussi, on voyageait ton âme, mon vieux père. C'est pas un débat. Dans ce que tu veux te mettre là, on te met dedans aussi. Donc faut te préparer. C'est ça que demain tu as sorti. Oh non, les gens sont en train de dire sur les réseaux sociaux. Mon vieux, il n'y a pas paix en Côte d'Ivoire ici. Si Ouattara veut vraiment la paix, là, ok? Si Hassan Namo Ouattara veut vraiment la paix, là, il n'a qu'à libérer ses frères, il n'a qu'à les faire rentrer, puis on vient chercher, puis on discute. On a insulté Babou, mais Babou discutait avec tout le monde. Vous êtes des malhonnêtes. Asseyez-vous et puis regardez bien la situation. On a insulté Babou ici. Mais Babou a fait rentrer la salle là ici. Jets privés sont venus. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire ici. On leur a donné même l'argent, même tout ça, de poche, tout ça. On leur a donné l'argent de poche, tout ça. Mais ils ont fait quoi? Il a fait quoi? Doumbia Baka, lui, je suis enfant du Nord. Moi, j'ai fait mon développement, pas t'inquiéter. Mais Hassan Namo Ouattara, il a fait quoi? Fait tuer les enfants du Nord pour rien, pour ça, pour tout ce que nous assistons, à quoi nous assistons en ce moment. Quand c'est comme ça, là, vous ne parlez plus, hein, vous fermez vos gueules. Vos gueules qui sentent là, vous fermez ça. Mais alors que c'est la vérité, allez-y dire la vérité à Daman. Pourquoi vous avez peur de lui? Allez-y lui dire la vérité. C'est un menteur. Allez-y lui dire ça. Pourquoi vous ne lui dites pas? Pourquoi vous avez peur de lui parler? Pourquoi vous avez peur de parler à Hassan Namo Ouattara? C'est ça mon problème, mais vous. Allez-y lui dire la vérité. Ben nous, on a le courage de lui dire la vérité, ça vous fait mal. Pourquoi? Non, il faut être content même quand tu as menti, tu dis oui. Eux, moi, ils sont courageux, ils disent la vérité à Daman. Parce que Daman n'a rien fait pour nous. C'est ça qui est la vérité. Hassan Namo Ouattara n'a rien foutu pour la Côte d'Ivoire. Et il va partir, il va sortir zéro. Vous allez sortir aussi zéro. Non, les gars, il faut vous réveiller de vos cauchemars. Faut vous réveiller de vos cauchemars. Réveillez-vous, les gars. Ok? C'était KGB, le gros soldat de GKS. Moi, si toi, c'est rien, ça chauffe pas. On est assis sur notre tabouret, puis ça chauffe pas. Alassane Namo Ouattara va pas diriger la Côte d'Ivoire ici. Moi, je vous le dis en vérité, il va pas diriger la Côte d'Ivoire. Ok? Il va pas diriger la Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. Il va pas diriger la Côte d'Ivoire. C'est sur nos cadavres. Hassan Namo Ouattara va faire son mandat là. C'est sur nos cadavres. Moi, je vous le dis en vérité, c'est sur nos cadavres. Hassan Namo Ouattara va faire son mandat de maître là. C'est pas devant nous qu'il va faire ça. On est là, vous allez voir. Des imbéciles comme ça. On dit que vous êtes bêtes là, c'est vraiment vrai, vous êtes trop bêtes. Couchez-vous, asseyez-vous. Voici la preuve, mais vos propres frères à Bobo. 10 ans de pouvoir, Bobo n'a rien gagné de toute la gouvernance d'Hassan Namo Ouattara. Rien gagné. 10 ans de pouvoir, vous n'avez rien gagné. C'est maintenant que vous voulez jouer les dangereux. Vous allez gagner quoi? On vient vous donner les miettes là, on vous donne les poupons pour fumer, pour aller tuer vos parents, vous-même. C'est dommage quand même, hein. C'est dommage. C'est dommage quand même. C'est trop dommage. Rien de bon. Il nous a servi que la merde. Que la merde. Et il s'apprête même encore à aller donner des naissances à des gens même qu'on ne connaît même pas en Côte d'Ivoire. Tout ça pour le vol, tout ça pour le braquage électoral. Tout est mis en œuvre pour braquer les élections en Côte d'Ivoire. Et vous êtes là, vous êtes couché, vous êtes silencieux. C'est grave.
En tout cas, on est ensemble. Ma vieille mère Souraya qui m'en ensemble, c'est jusqu'à la gare. Portez-vous bien, les gars. On est ensemble. Dieu, qu'est-ce que tu... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on a des gueulards, non, Bakayoko. Mais sinon, quand on était en Côte d'Ivoire, c'est dans la même Côte d'Ivoire, on était. Et puis, on a lutté pour Daman. Bande de plaisanter, là. Elle dit que... Elle dit quoi?